L'Institut de hautes études de management, désormais lié au CERDIMON, qui est le centre de recherche de l'Université Omar Bongo, lequel n'est plus à présenter en dehors de l'IHM. Le CERDIMON compte aussi bien les partenariats sur le continent et en Europe. Pour le cas présent, celui-ci est uniquement scientifique et pédagogique. C'est un partenariat scientifique et en même temps pédagogique pour encadrer l'IHM, d'abord dans l'enseignement et ensuite dans la recherche, puisque nous sommes un centre d'abord de recherche et d'enseignement. Nous le faisons déjà dans le cadre de l'Université Omar Bongo et dans le cadre de nos partenariats que nous avons avec d'autres universités. L'avantage pour l'IHM, c'est que l'IHM va maintenant bénéficier non seulement de notre encadrement, mais également va bénéficier de l'encadrement de tous les enseignants qui sont derrière le CERDIMON. Je vous disais tout à l'heure que le CERDIMON a des centres de recherche partenaires et des chercheurs éparpillés un peu à travers le monde. Donc, ces chercheurs, ces partenaires vont également venir à l'IHM maintenant, soit donner des cours, donner des conférences, encadrer les étudiants, ceux qui sont en Master 1, en Master 2 et ceux qui voudront faire plus tard le doctorat. Par cet accord qui vient d'être paraphé, l'IHM s'ouvre désormais au monde et fait sa grande entrée dans le concert des grands instituts universitaires privés du pays. Merci d'être venu ce matin pour la signature de cette convention de partenariat. Merci surtout d'avoir accepté de signer avec l'IHM. C'est un temps fort dans la vie de l'institut, parce qu'il est question pour le CERDIMON d'accompagner l'IHM, sur un plan purement scientifique, sur un plan purement pédagogique, mais également sur un plan purement de l'encadrement moral. Je vous remercie infiniment et je souhaite longue vie à ce projet. Cet accord cadre intervient quelque temps après celui signé avec l'IRJ et vient consolider les bonnes relations qui lient cette entité et des centres de recherche. L'échange des documents y afférents avec les deux parties confirme haut et fort cet accord qui prend effet immédiat dès la rentrée académique 2018-2019.